Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma routine du soir et par ce fait même, ma routine de soins quotidiens pour ma peau à tendance acnéique. Je commence par me démaquiller, comme toujours, avec des boules de Watt. Et je prends le démaquillant de la marque Olmi. C'est un démaquillant biphasé qui ressemble beaucoup à ce que j'utilisais déjà avec celui que j'avais de Vichy, mais en beaucoup moins cher. Il est au Target pour environ 7$. Ça vaut vraiment la peine, il marche très bien. Ensuite, je vais me brosser les dents avec ma pâte à dents préférée et ma brosse à dents électrique Oral-B. Ensuite, pour mon traitement anti-acnéique, je vais mélanger deux produits, soit un produit simple et un produit vraiment fort de Neutrogena Pamplemousse. Le mélange ensemble, c'est vraiment des miracles pour ma peau qui est vraiment dégueu, c'est le cas de le dire. Et je vais masser les deux produits ensemble avec un gant exfoliant, vraiment très doucement, on s'entend, c'est pas fait pour le visage chaud. Je commence par appliquer le produit simple sur mes joues. Mais vraiment, je vais vraiment exfolier. Ensuite, je vais alterner avec le produit Neutrogena. Vraiment, où est-ce que mes boutons. Mais vu que c'est un produit très fort, je ne le laisse pas sur ma peau très longtemps. Je ne frotte pas trop pour ne pas m'irriter. Alors voilà, je frotte bien partout, mais quand même assez délicatement. Je me rince ensuite le visage. Ici, je le fais à la débarbouillette, mais ça peut être à l'eau directement quand on est sous la douche. C'est un petit peu plus facile. J'ai tendance à m'en mettre partout autour du lavabo quand je me rince le visage. Alors voilà, on se rince et on s'essuie vraiment complètement la peau avec une serviette propre. Et continue dans ma gamme routine de soir, je vais prendre une bonne douche chaude. C'est ma partie préférée de la journée. Je vais mettre de la musique sur mon iPhone. Je sais que c'est vraiment du gaspillage d'électricité, mais vous pouvez mettre une serviette pas très longtemps dans la sécheuse. Alors quand vous allez sortir de la douche, ça va être très agréable. Bien entendu, avant d'aller sous la douche, j'avais tout préparé les produits que j'allais utiliser après. Donc une fois sorti de la douche, je reprends des petites ouates et je vais mon tonifiant, qui est le tonifiant de Garnier. Faites attention, surtout autour des yeux, il est très efficace mais il est très fort. Ensuite, je vais prendre ma crème hydratante de sein. Ensuite, je vais me crémer le corps avec une crème hydratante qu'on peut trouver dans toute bonne pharmacie de la marque Saint-Yves. Ensuite, ça c'est ma petite crème Weber Premier Soin, vu que j'ai eu une opération au mois de janvier. J'en applique généreusement sur mes cicatrices. Ensuite, pour le reste de la soirée, une fois que tout ça c'est fait, je vais aller me prendre un petit snack fruit avec du fromage. Et quelque chose que je fais souvent ces temps-ci, j'écoute la télé, j'écoute Netflix, j'écoute la série H2O, un classique pour moi, là. Puis je passe la soirée avec mon petit chat, ça c'est Charlie en passant. Puis pendant mes émissions, puis après ma collation, je vais mettre un beurre hydratant de chez Bath & Body Works. Et je m'écrase devant des séries. J'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles!